Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée du colloque Manque et Abondance. La session de ce matin s'intitule « Dire les choses, saisir les choses sur consommation et dépossession ». Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Farah Benramdan, doctorante à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter le panel de ce matin. La première intervenante est Audrey Ducafi. Donc Audrey est actuellement en quatrième année de doctorat en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, sous la direction du professeur Christine Zumello. Elle est rattachée au laboratoire CREW, Center for Research on the English Speaking World, et son sujet porte sur la naissance de la société de consommation aux États-Unis et son transfert en France dans l'après-guerre, portant un intérêt particulier au phénomène de désintermédiation, d'hyperconsommation et de consommateurs sous un angle sociologique, économique et historique. Elle a obtenu un master recherche en études anglophones à l'Université Sorbonne Nouvelle, le master grande école en management à Audiencia Nantes et le master of sciences in marketing de Johns Hopkins University. Audrey, vous avez 20 minutes, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc déjà, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Encore un grand bravo aux organisateurs qui ont organisé toute cette conférence en présentiel. J'en profite comme j'ai le micro pour le répéter encore une fois. Donc effectivement, moi, je vais vous parler pendant 20 minutes d'un sujet, vous allez voir, qui est un petit peu différent de certains sujets qu'on a eu la chance d'avoir hier, qui était un petit peu plus littérature. Là, on va être vraiment sur la sociologie de la consommation. J'espère vous passionner, en tout cas vous intéresser un minimum. Alors, donc on va commencer sur un sujet qui est vraiment lié entre désintermédiation et l'hyperconsommation, qui sera vraiment au cœur de ces 20 minutes. Et pour commencer, j'ai mis une petite touche personnelle, qui est l'œuvre de Banksy, que vous voyez effectivement dans cette slide. Personnelle, parce que c'est certainement un de mes artistes préférés. Donc c'est un tag qu'il a fait dans les rues de Glasgow il y a à peine 2 ans, et dans lequel il représente, je trouve, et ça encapsule à la fois toute cette présentation, et je dirais aussi plus largement un peu toute ma thèse, le sentiment un peu d'avoir une punition à la surconsommation. D'accord, c'est un peu comme ça que je lis cette œuvre, c'est « I'll buy more stuff, I'll buy more stuff », avec une notion un peu de répétition dans ce « more », qui est vraiment au cœur, j'ai envie de dire, de ce colloque, qui est cette notion de surconsommation et d'abondance qui serait vraiment le signe d'un trop-plein. Donc je trouvais que c'était un petit clin d'œil un peu introductif, qui va vraiment, je pense, vous donner un premier goût des quelques slides que je vais vous présenter. Je vous ai fait une petite introduction, juste pour que vous ayez un peu en tête quel va être le flow de cette présentation. Donc on va commencer avec un point d'ancrage qui est nécessaire, qui est the American Consumer Society. D'accord ? Donc vraiment comprendre qu'est-ce qu'est la société de consommation américaine et quel est surtout son rapport au manque et à l'abondance, qui sont nos deux grands thèmes de ce colloque. Après, on ira un petit peu plus en détail dans un terme qui peut être un peu plus technique, entre guillemets, qui est celui de la désintermédiation et la naissance de ce qu'on appelle l'OTC. D'accord ? Vous avez vu effectivement également dans le titre, l'OTC représentant over the counter. D'accord ? Donc ça veut dire tout ce qu'on va être capable d'acheter sans aucun intermédiaire de consommation. D'accord ? Donc on va être en rapport direct avec l'objet, donc quasiment en rapport direct avec le producteur, parce qu'on va directement prendre sans passer, par exemple, en pharmacie, par l'intermédiaire du pharmacien, parce qu'on va être dans un système de libre-service, par exemple, mais sans trop dévoiler la suite de mes slides. Après, on verra tout ce qui est les risques qui sont aussi liés à cette désintermédiation et en quoi ce peut-être trop plein d'abondance questionne notre rapport au manque. Et après, on finira avec une conséquence un peu de cette désintermédiation qui est un autre terme qui est important dans cette analyse de la sociologie de la consommation, qui est la réintermédiation, qui elle-même ressuscite notre rapport justement au manque et à cette notion d'abondance et de manque. OK ? Donc ça va être nos 4 sujets, et je vous avais précisé effectivement que les questions étaient à la fin, mais vous avez plus que l'habitude maintenant. Alors, vous allez voir, effectivement, ici, on a essentiellement des documents iconographiques que je préciserai quand j'en ferai référence dans mon texte. Donc, pour commencer, effectivement, le point d'ancrage, c'est la société de consommation américaine. Pourquoi on parle de la société de consommation américaine quand on questionne notre rapport au manque et à l'abondance ? Je pense qu'il faut déjà revenir à la définition même de la société de consommation américaine, qui est ce que Galbraith disait en 1958, une « affluent society ».
et la notion même d'affluent. Qu'est-ce que ça veut dire affluent et comment on le traduirait effectivement en français? Donc si on regarde tout simplement le dictionnaire Cambridge, qui est je pense un peu la première étape pour comprendre une notion, c'est having a lot of things or having a lot of money. Okay? Donc on a vraiment cette notion un peu, j'ai envie de dire, précise sans trop l'être. On comprend clairement la répétition du a lot, d'accord, qui est vraiment notre rapport à l'abondance. Ça peut être des choses, ça peut être de l'argent, tant qu'il y a cette notion d'abondance. Donc c'est un petit peu un point vraiment d'ancrage pour après comprendre vraiment la société de consommation américaine. Je pourrais vous en parler pendant 4 heures, hein, la société de consommation américaine. Donc je vais essayer de reprendre les points principaux. Donc la société de consommation américaine, c'est une société d'abondance, d'accord. Baudrillard affirmait que l'accumulation ou la profusion, qui sont vraiment des termes intéressants je trouve, est la caractéristique la plus évidente pour décrire la société de consommation. Donc on est clairement dans le sujet. Sheehan, qui écrit en 2010, parle en ce sens aussi d'une nouvelle problématique pour les entreprises qui était alors de persuader les consommateurs aisés étant la traduction d'affluent, qui disposaient de ce dont ils avaient besoin, d'acheter encore davantage. D'accord ? Donc on a encore cette notion, j'ai, et pourtant, les producteurs me demandent d'acheter encore davantage. Donc ça aussi, c'est un lien directement avec la notion d'abondance qui est particulièrement intéressant. Dans une autre notion qui peut effectivement relier l'American Consumer Society au manque et à l'abondance, en l'occurrence plutôt dans l'abondance que le manque, c'est ce qu'on appelle la course à la possession, ou l'expression américaine qui est « to keep up with the Joneses », d'accord ? Qui est aussi souvent utilisée pour décrire la société de consommation. Pourquoi « to keep up with the Joneses » nous pousse à cette abondance, d'accord ? Donc pour ce faire, j'ai repris les propos de Shore et Holt qui disent « les membres de chaque strate acceptaient comme leur idéal de décence, comprendre de décence de consommation, le schéma de vie alors en vogue dans la strate au-dessus de la leur et consacrer leur énergie à rejoindre cet idéal. » Donc on a encore cette notion de « a lot more » et je vais même aller dans une forme de mimétisme par rapport à cette abondance d'une strate supérieure qui consomme davantage. Donc on a vraiment cette course à l'abondance qui est particulièrement intéressante. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment se met en place cette course à l'abondance. Parce qu'on a déjà eu historiquement la fameuse consommation ostentatoire, on a déjà eu des phénomènes de mimétisme dans des processus de consommation, mais en quoi l'accélération se fait au sein de la société de consommation. Et là, il faut le lier avec tout ce qui est stratégie des médias de masse. D'accord ? Et Pritchard disait, avant la fin des années 1880, on est aux États-Unis, hein, la plupart d'entre nous, Américains, étions si occupés à survivre que nous ne portions pas d'intérêt à ce que la famille Jones faisait, ni nous le savions d'ailleurs. Mais, avec la naissance des médias de masse, il nous était soudainement révélé, sans once de doute dans les propos, non seulement que la famille Jones était bien meilleure que nous, mais aussi que nous devions faire quelque chose contre cela. Et le point le plus important dans cette prise de conscience était, et continue d'être, basé sur un manque perçu de choses dont il nous était demandé de les désirer et de les avoir. Ce manque perçu, pour moi, il est extrêmement important pour comprendre effectivement cette course à la possession et ces besoins d'abondance et de surabondance. Une fois qu'on a compris un peu ce contexte, on a aussi une société de consommation qui s'organise industriellement pour répondre à cette abondance. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, même si ça serait très intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre dans les grandes lignes, c'est qu'on a une accélération de la productivité. D'accord ? On a une accélération de ce qu'on appelle en anglais l'output per worker. D'accord ? C'est-à-dire qu'est-ce que chaque personne dans une industrie est capable de produire. Entre 1920 et 1929, aux États-Unis, dans le secteur minier, ce rapport de output per worker augmente de 43%. Les gains de productivité industrielle étaient tels qu'au lieu de produire une voiture, le modèle T de Ford, en 12h30 en 1913, il fallait à peine 93 minutes en 1914. Vous vous rendez compte ? Donc on a vraiment tout un système industriel, avec tout effectivement ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, entre autres, qui permet à la société, même industrielle, de répondre à cette volonté sociologique d'abondance. D'accord ? Et je vous ai mis une petite photo sur l'iconographie 1, où vous voyez effectivement cette nouvelle organisation du travail. Ce qui est intéressant et ce qui nourrit d'autant plus ce cercle virtueux d'abondance, c'est la notion de plus je vais avoir de productivité, plus je vais pouvoir baisser les prix, et plus en baissant les prix, je vais pouvoir augmenter la taille de mes marchés de consommation. C'est ce qu'on appelle la two-way causality.
corps. Et Matsuyama, dans une de ses thèses, écrit « À mesure que la productivité s'améliore, les prix des biens de consommation baissent et deviennent abordables pour un nombre de plus en plus élevé de foyers. Cela génère à son tour de plus grands marchés pour ces biens, ce qui entraîne une amélioration supplémentaire de la productivité, on est dans un cercle vertueux, créant un cercle vertueux de gains de productivité et d'expansion des marchés. » D'accord ? Donc on a la partie sociologique, la partie économico-industrielle qui génère ce cercle vertueux. Et on a aussi après des éléments qui sont particulièrement importants, j'en citerai les principaux, que sont l'innovation. D'accord ? L'innovation, on est dans une ère où les innovations se multiplient. L'accession au crédit. D'accord ? Le crédit est vraiment ce qui se met en place précisément dans ces années, on va dire au début des années, vers les années 1920-1940, d'accord ? Avec vraiment une accélération d'accession au crédit. Je vous cite juste quelques lignes de Penazzola et Benhart qui disaient « Les historiens ont montré l'importance du crédit pour stimuler le développement de la culture de consommation, notant que les consommateurs ont appris à l'utiliser à contre-cœur et graduellement, et que la culpabilité et la stigmatisation sociale de la dette se sont atténuées au fil du temps. » D'accord ? Surtout dans la culture américaine protestante, on avait une forme d'ascèse qui était contre la notion de dette. Et en fait, même cette conception religieuse qui est attachée au culte essentiellement pratiqué aux États-Unis part un petit peu, entre guillemets, en éclat. Et on a même une forme de liberté prise par rapport « je peux m'endetter pour consommer encore davantage ». Et cette conception même, effectivement, nourrit même la notion d'abondance dans la société de consommation. Dans les principales caractéristiques de la société de consommation, on a effectivement aussi la notion de création de nouveaux besoins. D'accord ? Ah pardon, je ne vous ai pas cité l'illustration numéro 2 qui illustre ce que je viens de dire sur l'explosion de la carte au crédit dans les années plus tardives, hein, aux États-Unis, autour des années 1970 plutôt. Vous voyez qu'en 1967... on a 390 effectivement 1000 détenteurs de cartes bleues, alors qu'on arrive à 1 535 000 à peine 5 ans plus tard. Donc vous voyez effectivement cette accélération effectivement aussi de la profusion et de la distribution, enfin de la présence en tout cas de cette carte de crédit. Donc en fait cette notion de je peux acheter tellement facilement qui se met en place aux États-Unis. Donc je vous disais effectivement, ce qui se met effectivement également en place aux États-Unis dans la société de consommation, c'est la création de nouveaux besoins, de new needs, d'accord ? Donc de nouveaux besoins qui sont essentiellement, après ça se discute, mais l'émancipation et le confort, d'accord ? Qui deviennent des besoins à part entière. Le confort se retrouve en grande partie dans l'accessibilité aux biens d'équipement. D'accord ? On voit que c'est de plus en plus nécessaire d'avoir un réfrigérateur, d'avoir un aspirateur et la fameuse télévision, et on verra aussi plus tard la radio. À titre d'illustration, vous le voyez dans le graphique numéro 5, ce qu'on voit, c'est qu'alors qu'en 1929, l'alimentation représente à peu près 24% des dépenses des ménages, d'accord ? Donc l'alimentaire, on est vraiment sur le besoin basique de base, qui est le besoin de survie, elle n'en représente plus que 10,7% à la fin du siècle. Donc vous voyez, on voit que l'alimentaire est de moins en moins présent, c'est les petites barres vertes, et vous avez au contraire les barres grises qui augmentent. Et dans ces barres grises, on va retrouver essentiellement les biens d'équipement. Dans les biens d'équipement, pour vous donner un ordre d'idée, entre 1930 et 1960, aux États-Unis, le niveau d'équipement des foyers américains passe de 8% des foyers possédant un réfrigérateur, 24% une machine à laver, 30% un aspirateur, à peine 30 ans plus tard, 90% possédant un réfrigérateur, 73 au lieu de 24 une machine à laver et 73 encore une fois au lieu de 30 un aspirateur. Donc vous voyez cette accélération de la nécessité de l'équipement, de cette nécessité du confort qui n'est pourtant pas, selon la pyramide de Maslow que je vous ai remis ici, un besoin primaire. D'accord ? On n'est pas sur un besoin nécessaire, j'ai envie de dire, à la vie ou à la survie, mais on commence à vraiment de plus en plus avoir besoin de biens de type ce qu'on appelle secondaire, comme le confort, les équipements, mais aussi le statut, par exemple. D'accord ? Et ça, c'est particulièrement représentatif parce que ça va ouvrir la possibilité de créer des nouveaux marchés qui vont eux-mêmes répondre à ces besoins-là. Typiquement, ma thèse qui porte un petit peu plus sur, par exemple, le marché pharmaceutique, on va être sur tous les food supplements, sur les compléments alimentaires pour s'endormir, tout ce qui est autour de la dynamique du bien-être. Donc, vous voyez, on va être sur des biens de consommation qui ne répondent même plus même à une pathologie, d'accord ? Et ça, c'est enfin la quatrième illustration que je voulais vous montrer ici,
qui est une notion strictement américaine qui s'appelle la medicalization. D'accord ? La medicalization, qu'est-ce que c'est et comment il faut le comprendre ? C'est que dans l'univers pharmaceutique, qui est vraiment l'univers d'étude de cette thèse, on crée un peu, en quelque sorte, des nouvelles maladies, qui sont aussi un peu tout ce qu'on appelle le champ somatique. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer des maladies dans le sens où on va justifier un besoin de consommation, qui va donc justifier la création de ce bien de consommation consommé, en inventant des maladies. En tout cas, c'est un peu ce qu'on... C'est le concept qui est véhiculé. Et ici, c'est une campagne de l'assurance maladie française qui dit « Le mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. » D'accord ? En fait, ce qu'ils essayent de nous dire par là, c'est « Oui, vous avez des laboratoires qui vous disent que quand vous avez mal au dos, c'est une maladie et vous devez prendre un antalgique. Et moi, je vais vous créer de l'antalgique pour justement vous m'achetiez ce nouveau marché du mal de dos. » Alors qu'historiquement, tout le monde s'est soigné le mal de dos sans jamais consommer d'antalgique. Et ce que fait l'assurance maladie, c'est attention, vous êtes dans une société de consommation, les producteurs industriels, enfin les laboratoires pharmaceutiques sont en train de vous dire que votre mal de dos c'est une maladie et que vous devez prendre un antalgique. Et en fait, ce phénomène-là qu'on voit strictement dans le marché pharmaceutique, il se trouve dans plein d'autres marchés. Il faut en avoir plus ou moins conscience, après, c'est pas un colloque politique, mais c'est important de vous en rendre compte et c'est important surtout pour comprendre le lien à l'abondance et le lien à ce qu'on appellera aussi l'hyperconsommation. Est-ce que cette consommation-là, est-ce que vraiment le mouvement me suffit ou est-ce qu'on apporte un véritable progrès de consommation à travers, là en l'occurrence, la pilule antalgique ? Ok ? Je pense que j'étais très bavarde sur cette slide. Je vais essayer d'accélérer pour la suite. Donc après, ce que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le phénomène de désintermédiation et son lien avec la société de consommation et avec aussi la notion d'hyperconsommation. Ce que vous voyez, effectivement, c'est qu'on a petit à petit retiré les intermédiaires. D'accord ? La société de consommation, essentiellement dans une logique de ce qu'on appelle d'empowerment du consommateur, on a supprimé les échelons qui étaient entre le producteur et son consommateur. D'accord ? Vous le voyez typiquement dans ce qu'on appelle aussi les circuits courts ou ces types de problématiques de consommation. Ici, je voudrais vous citer Scott, qui disait que parmi les 5 libertés fondamentales américaines se trouve ce qu'on appelle l'Economic Autonomy Liberty, d'accord ? Et qui doit s'inscrire justement dans des actes d'achat, de vente et de contractualisation avec un tiers. Cassier disait « La souveraineté du consommateur qui choisit est supposée, dans une culture consumériste, représenter la forme la plus achevée de la liberté. » Plus s'étendrait cette souveraineté dans la consommation, plus s'étendrait cette liberté. D'accord ? Donc vraiment, encore une fois, selon l'objectif très américain de l'ultra-liberté de l'individu, on le retrouve précisément dans la sphère de la consommation avec cette Economic Autonomy Liberty qui est vraiment « je dois, moi, être libre ». Je ne veux pas que ce soit un médecin qui me dise si oui ou non j'ai une pathologie et je ne veux pas que ce soit un pharmacien qui me recommande quel produit je dois consommer. Je veux être en self-service directement, je vais pouvoir acheter sur Amazon mes pilules, pour moi, suite à un auto-diagnostic de mon besoin, acheter ce que j'ai envie. Et en créant ça, on questionne aussi notre rapport à l'abondance et on questionne aussi notre rapport à la raison de la consommation. D'accord ? Et ça, c'est particulièrement intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que où est née un peu cette désintermédiation et comment elle se structure ? La désintermédiation, avant tout, elle est américaine et elle est financière. D'accord ? Donc là, ça devient un petit peu technique, mais regardez juste rapidement le schéma de droite. On a essentiellement ce qu'on appelle deux types de marchés. On a les marchés de gré à gré, d'accord ? Et on a les marchés plus traditionnels, qui sont les marchés organisés. Sur les marchés de gré à gré, c'est aussi ce qu'on appelle les marchés OTC. D'accord ? C'est en quelque sorte un synonyme. On pourrait encore donner comme synonyme marché désintermédié. Ce que vous voyez, c'est que les émetteurs de la dette et les investisseurs de cette dette sont dans une relation strictement bilatérale, d'accord ? Ils sont complètement libres. Vous verrez après les risques que ça apporte. Et les marchés plus traditionnels, on a à la fois des organisateurs et des régulateurs. Typiquement sur les marchés financiers, on peut avoir ce qu'on appelle des chambres de compensation, des entreprises de marché, bref. On a comme des intermédiaires qui se mettent entre émetteurs et investisseurs. Le problème, on va déjà commencer par les avantages. Les gros avantages principaux dans la désintermédiation, c'est une notion de coût, d'accord ? Parce que
Je vous cite par exemple Presbo dans Taylor et Trostrup qui disait « Certains produits changent une douzaine de fois de main avant de se retrouver sur l'étagère d'une boutique et chacun de ces nombreux niveaux d'intermédiaires doit gagner un profit. » D'accord ? En fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez un marché intermédiaire, chaque intermédiaire vous demande une marge sur le profit. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans un système intermédiaire, la critique la plus souvent faite est de ne pas redistribuer de manière juste la valeur jusqu'au producteur. D'accord ? Parce que justement, on a ces couches. Face à une inflation des prix en boutique de 44%, Presbo cite, le prix de vente de l'échelon précédent qui est le grossiste augmente de 22%, mais celui initial du producteur n'augmente que de 7%. Donc vous voyez, vous avez un prix au consommateur plus 44%, prix au producteur plus 7%. Parce qu'il y a cette intermédiation. Donc dans une logique un peu, j'ai envie de dire, même très moderne de désintermédiation, on veut que le producteur gagne plus 44% quand moi, consommateur, je paye plus 44%. D'accord ? Donc c'est pour ça aussi qu'on voit une justification à des intermédiations. Après, effectivement, je voulais juste vous préciser les deux illustrations que vous voyez pour vous montrer à quel point déjà c'est une notion américaine. J'aurais pris en bas à gauche ce qu'on appelle le « direct selling ». D'accord ? C'est qu'on voit en fait, c'est la société de Tupperware. Vous êtes peut-être familier avec cet exemple, mais c'est qu'on voit des femmes au foyer qui justement décident un peu de s'extraire de l'intermédiation d'un point de vente et se mettent elles-mêmes à vendre chez elles directement le bien de consommation. La quatrième image, c'est une notion intéressante, c'est que le Sénat français parle de ce qu'on appelle la théorie des 3D. Et en fait, la théorie des 3D, qu'est-ce que ça dit ? C'est que désintermédiation va toujours de pair avec déréglementation et décloisonnement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on désintermédie, on décloisonne les marchés, mais aussi on les déréglemente. Et ce que vous voyez, c'est que c'est des photos que j'ai fait moi. Sur la gauche, vous avez des ibuprofènes, d'accord, aux États-Unis, que vous pouvez acheter en boîte de 1000. du paracétamol, qui est le même en Belgique, en France, où on a une limitation par la NSM, d'accord, qui est l'autorité de santé, ne pas vendre plus de 8 grammes. Donc, c'est juste aussi pour montrer qu'en France, on a peur de cette désintermédiation. Donc, il y a plein de raisons, et je reviendrai peut-être partir dans un autre colloque, j'espère, de pourquoi la France, on est à 8 quand les États-Unis sont à 1000. Mais schématiquement, c'est intéressant pour comprendre les degrés de maturité face à cette désintermédiation. J'accélère. Effectivement, donc dans les risques qui sont liés à la désintermédiation, essentiellement, vous avez ce qu'on appelle les risques d'opacité, d'accord ? D'opacité de l'information, parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que comme je suis dans une relation bilatérale, je n'ai comme information que ce que le vendeur me donne comme information, d'accord ? Donc comme je n'ai comme information que ce qu'il me donne, je suis obligée de lui faire 100% confiance. Alors que quand j'ai des régulateurs, quand j'ai des organisateurs, je suis protégée dans ma compréhension de la valeur. D'accord ? Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est plus protégé dans cette compréhension de la valeur et qu'on croit 100% ce qu'on voit. Et là, j'avais pris comme exemple la problématique de la publicité mensongère. D'accord ? Vous avez sur la gauche une corde qui semble être résistante pour faire de l'escalade et pourtant, il y a écrit « not suitable for climbing ». Ok ? Alors que pourtant, on pourrait le croire. Hein ? Là, vous avez aussi des espèces de panini un peu, avec du turkey et broccoli. Ça a l'air assez appétissant. Nous, on croit ce qu'on voit. Et pourtant, ça a l'air bien plus vide que ce que ça nous semble. D'accord ? Donc, on a effectivement déjà toute cette problématique qui est liée à ces contrats incomplets qu'on trouve en lien avec la désintermédiation. L'autre image, c'est une image que j'ai faite dans un supermarché à New York, d'accord ? Et c'est la stratégie du décloisonnement. On se rappelle, hein, désintermédiation, dérégulation, décloisonnement. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que dans une logique d'empowerment du consommateur, on décloisonne, d'accord ? On décloisonne, t'es libre, tu choisis, mais t'es aussi un peu perdu. Et ce qui se passe, c'est que dans un même linéaire, vous trouvez du shampoing, des déodorants, des mousses à raser, mais aussi des antalgiques, donc des médicaments qui ont un principe actif et qui ne sont pas une consommation aussi banale que normalement une mousse à raser, hein. De la cortisone, d'accord ? On a des médicaments contre les troubles digestifs, donc on va mélanger volontairement des produits de consommation banale avec des médicaments dont on sait que la consommation ne doit de fait pas être banale parce qu'il n'y a pas le même risque pour le consommateur. Mais comme on a décloisonné, parce qu'on a voulu désintermédier, parce qu'on a voulu rendre libre le consommateur dans son choix, on le met à risque parce que lui, s'il n'est pas conscient de ses effets secondaires du médicament, s'il n'est pas aussi informé qu'il le souhaiterait pour comprendre les risques du médicament, il risque de considérer à l'égal
une mousse à raser qu'un antalgique. Donc c'est une des conséquences un petit peu à craindre de cette désintermédiation. Et enfin, troisième phénomène, ce phénomène, c'est celui de la transgression. D'accord ? C'est-à-dire que comme je suis libre, je peux aussi non pas seulement me tromper par manque d'information, mais je peux aussi faire le choix volontairement de me tromper parce que justement, j'ai plus d'organisateurs, j'ai plus de régulateurs qui m'en limitent. Et là aussi, on questionne l'hyperconsommation. Et ici, c'est un usage très intéressant, c'est le Vicks Vaporub, d'accord, qui est un produit pourtant pharmaceutique, vendu en France que dans des pharmacies, qui est en fait une baume qu'on met ici pour mieux respirer. Et en fait, les ravers, en tant que phénomène vraiment sociologique qui a été constaté notamment par Weiss et Ndelli, l'utilisent pour démultiplier les effets de l'extasy dans les rave parties. je ne peux pas vous dire. mais c'est très intéressant de voir, à partir du moment où le Vicks Vaporub, vous le trouvez partout, et vous le trouvez en étant plus régulé dans sa consommation, il y a des phénomènes de mode de transgression qui s'en emparent et qui les détournent. Et on arrive dans des situations qui peuvent être particulièrement dangereuses, d'accord ? Parce qu'on sait que ce n'est pas un produit aussi neutre que ça. On le voit aussi dans ce qu'on appelle le phénomène du purple drink, d'accord ? Qui a été mis en avant dans notamment des clips un peu de rappeurs, où ce qu'on voit, c'est que des jeunes américains, et ça commence un petit peu à venir en France, mélangent des sirops ou des pilules codéinées avec du soda et de l'alcool, parfois aussi un petit peu de cannabis, pour des effets planants et hallucinogènes, d'accord ? Et vous le voyez aussi dans des phénomènes un peu plus connu, qui est celui du binge drinking, d'accord ? C'est-à-dire que comme on banalise un petit peu la consommation de l'alcool, essentiellement aussi en lien avec sa société de consommation, on a des jeunes qui ne voient plus les limites, d'accord ? Parce que quand on banalise, on perd la notion de normes et de standards. Donc ça, c'est aussi un des réseaux à des intermédiations. Dernière slide, et je pense que c'est quand même intéressant, c'est que oui, la société de consommation à accélérer cette abondance et la désintermédiation, comme vous avez pu le voir, d'autant plus. Mais on a aussi, ces dernières années, et c'est là où c'est aussi intéressant de voir que oui, ça vient d'autres sociétés, mais même aux États-Unis, il y a ce re-questionnement par rapport à est-ce que j'ai pas trop des intermédiaires ? Est-ce que j'ai pas des marchés, notamment le marché pharmaceutique, entre autres, où j'ai besoin de ré-intermédiaires ? Donc petit à petit, on voit que si effectivement les intermédiaires traditionnels semblent avoir disparu, ce qu'on appelle les intermédiaires du futur, comme dirait Fauri, on a des nouvelles formes d'intermédiation qui arrivent, d'accord ? La principale, par exemple, c'est celle d'Internet, dont on sait qu'il faut faire particulièrement attention, mais on a comme des nouveaux intermédiaires qui arrivent, le fameux Dr. Google, bon, il est ce qu'il est, il n'est peut-être pas aussi bon que mon médecin de famille, mais parfois il n'est pas si mauvais. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment comme des nouveaux filets de sécurité qui, alors qu'on semble avoir voulu, dans la société de consommation, désintermédier, on réintermédie petit à petit. Je vous prendrai juste aussi l'exemple d'Amazon que je trouve particulièrement intéressant. Amazon, vous le savez, il a essayé d'organiser ce qu'on appelle une marketplace. Ce qu'il voulait, c'est que vous soyez vraiment directement en contact du producteur. D'accord ? Je crée une petite start-up, je fais des tisanes, je les mets sur Amazon et j'ai la possibilité de te les vendre à toi directement, consommateur. Et en fait, ce que se rend compte Amazon, c'est que quand il fait ça, il a perdu de la qualité dans la satisfaction client, il a perdu de la qualité dans le contrôle de la qualité des biens de consommation qui étaient envoyés à son consommateur. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de réintermédier. Et si vous voyez, je ne sais pas votre propre expérience, mais moi, à titre personnel, c'est ce qui se passe. J'achète de plus en plus quand je sais que je passe par Amazon, parce que je sais que je vais avoir un meilleur service client, parce que je sais que j'ai une certaine protection. D'accord ? Et ça, c'est aussi révélateur un peu de ce qui se passe. Et le troisième point, je pense que je vais manquer un petit peu de temps pour vous en parler, mais dans cette nouvelle réintermédiation, ce qui est très intéressant aussi, c'est la place de la marque. D'accord ? La marque, on a souvent un petit peu trop cru aveuglement, maintenant on la questionne de plus en plus, et en fait on va plutôt créer des communautés de marques pour avoir une appréciation collective de cette marque, plutôt que faire une confiance aveugle dans les producteurs et dans ce que nous communique la marque par la publicité. Voilà, petite slide de conclusion que je vous laisse lire, si vous voulez une synthèse.